20 minutes de débrief. Je finis d'enregistrer. Je vois quoi Que le micro était éteint. J'ai appuyé sur le bouton sans faire exprès. Je vais me retenir, sinon ça va partir avec de gros mots là. Mais bon, le Barça a gagné donc... Ça me fait plaisir de refaire la chose, vous voyez. Là, je sais pas, l'inspiration, si ça sera la même, parce que vous savez, quand vous enregistrez quelque chose, vous avez. Parce que moi, j'écris pas, c'est ça aussi les trucs, c'est que je fais un débrief, j'essaye de tout dire que la manière dont ça vient, donc je sais pas si je vais oublier des choses. On va repartir. Donc, rebonjour à toutes et à tous, les amis. Bienvenue pour le débrief de la victoire du Barça face au FC Séville. Le FC Séville qui n'arrêtait pas de pleurer. Negrera de je ne sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Euh, prenez votre manita, rentrez chez vous. Merci, au revoir. C'est bon Vous êtes content On peut avancer Merci. Donc, on commence par quoi déjà, les amis euh, J'aimerais d'abord parler de ce qu'on a vu vers la fin de match. Gavi. C'est quoi ces émotions de fou furieux Sérieusement, c'est quoi ces émotions de fou furieux Gavi J'en ai encore des frissons. En fait, moi, je m'attendais à ce que Gavi, il ait, allez, 5 minutes, 10 minutes. Ça aurait, ça aurait suffi à ma joie. Mais de voir Gavi rentrer en plus avec le brassard du capitaine, que Pedri lui donne le brassard du capitaine, quelle image quelle image Ça là, ça suffit. En fait, ça pour moi, ça m'a encore plus donné de plaisir que le 5-1. Là, ce soir, vous, je sais qu'il y a beaucoup qui sont contents du résultat, du jeu proposé et tout. Mais cette image là de Gavi, de Pedri qui donne le brassard à Gavi comme ça, ça a été... Allez, ok, j'abuse, j'abuse. Pas au, aussi important que le 5-1, mais ça a été pour moi la cerise sur le gâteau. Ça là, ça suffit. Limite, j'ai failli, comme beaucoup, hein, changer ma photo de profil. Tellement cette image là, elle est symbolique, les amis. Et puis Gavi, l'aura de capitaine qu'il a, ce qu'il dégage avec ce brassard-là, tu le vois parler, tout le monde l'apprécie, tout le monde l'aime. C'est là, on se rend compte aussi que, en fait, à Barcelone, les gens n'aiment pas Gavi que pour ses qualités de footballeur qui sont déjà exceptionnelles. Les qualités techniques au-dessus de la moyenne, des qualités de Grinta, sa passion, tout ce qu'il dégage sur le terrain, mais c'est sa personnalité aussi. Gavi, c'est un mec que tu adores lorsqu'il est chez toi. Bien sûr, lorsque tu n'es pas euh, au Barça, lorsque tu l'as comme adversaire, il peut, être, il peut être énervant de fou parce que il va jamais baisser la garde, il va tout le temps être là dans l'intensité de donner des coups s'il faut, mais c'est toujours pour le bien de ses partenaires, de son équipe. Il est prêt à laisser sa jambe sur le terrain pour son équipe. Et lorsqu'on voit la réaction aujourd'hui de tout le monde, le stade, la standing ovation, tout ça, ça donne des frissons à la vérité. Donc, franchement, ça fait plaisir de le voir comme ça. J'espère qu'on le verra de nouveau face au Real Madrid et face au Bayern, justement en parlant de ces deux matchs-là. Vous savez, sur le but que le Barça encaisse, j'ai pas arrêté de me dire que Vinicius Courtois ou Vinicius Ridiger, Militao, c'est tout à fait possible. C'est <laughs> tout à fait possible. Mais en fait, je pense qu'il y a un problème de communication sur cette action. Pourquoi Parce que. Iñaki Peña et ça c'est normal de jouer le piège du hors jeu. Mais lorsque tu joues autant le piège du hors jeu, je veux dire aussi haut, il va falloir qu'il y ait une certaine connexion entre ton gardien et ta défense parce que Kubarsi, il sort, il voit que, que Inigo, pardon, euh, Inigo, pardon, je parle d'Inaki Peña. Iñaki Peña, tu vois qu'il essaye de sortir sur le ralenti, il sort jusqu'à mi chemin. Et puis se retourne. Donc il n'y, euh, j'allais dire, je sais pas pourquoi je parle de Nigo. Donc Pau Coubarcy, qu'est-ce qu'il fait Il laisse d'abord l'attaquant prendre de la profondeur. Il se dit que Inyaki Peña va être là avant lui. Et lorsqu'il voit que non, Inaki Peña recule, c'est là qu'il tape son accélération, sauf que c'est trop tard. Donc faut qu'il y ait une meilleure communication et ça fait peur face au Bayern. D'ailleurs, Inaki Peña, moi ça me rassure pas malgré le 5-1. On a vu Bacchio qui marque sur un face à face. Là encore, c'était hors jeu. Mais après, tu peux pas lui en vouloir de, de conseiller des buts sur des sur des. Face Face à face. Mais en tout cas, signez-moi cette pétition-là. Je vous mets là la pétition pour ne pas avoir une équipe face au Bayern. Parce que moi, je ne suis pas serein. Je vous parle là, le Bar 5-1, mais c'est la seule chose qui me fait peur face à ces deux gros chocs-là. Plus sérieusement, pour revenir au match, euh, vous savez, je vais vous dire quelque chose qui a peut-être choqué certaines personnes, mais. Moi, ça me dérange. Il y a quelque chose qui me dérange depuis le début de saison. Vous savez, on parle beaucoup de la forme du Barça en parallèle avec la forme dégueulasse du Real Madrid qui gagne des matchs. On ne sait même pas comment il gagne. Mais la vérité, les amis, c'est qu'on fait lorsqu'on fait le bilan aujourd'hui, le Barça va se présenter au Santiago Bernabéu avec que trois points d'avance sur le Real Madrid. Le Real Madrid que tout le monde descend depuis le début de la saison n'est qu'à trois points du Barça. C'est frustrant, la vérité. Ouais, c'est frustrant parce que t'es là, tu joues ton meilleur football, tu détruis des équipes à gauche, à droite, tu les vois, eux, gagner, tu sais même pas comment ils gagnent. Normalement, si la logique était respectée, le Barça aurait dû être à 5-6 points du Real Madrid avant le Classico. Mais ils sont là à 3 points. C'est pour ça que je vous dis que moi, lorsque je vois les autres championnats comme. Tu sais, City par exemple. Lorsque tu as City comme concurrent, je tu sais que lorsqu'ils sont pas bons, lorsqu'ils jouent pas bien, ils gagnent pas. Lorsque tu as Arsenal comme concurrent, lorsqu'il joue pas bien, ils gagne pas. C'est très rare en tout cas. Mais le Real Madrid, lorsque tu les as comme concurrents, tu sais que lorsqu'ils ne jouent pas bien, ils sont capables de rapporter les trois points malgré tout. C'est frustrant parce que toi t'es là, si tu joues pas bien, tu perds. Le Barça on n'est pas réputé pour ça, on le sait. La, cha... la saison dernière c'est la preuve ultime. À chaque fois qu'on n'est pas bon dans le jeu, c'est très rare que le Barça soit mauvais, vraiment surdominé et gagne des matchs. Le Real ils peuvent avoir des face à face ratés et tout et ils s'imposent à la fin. Tu sais pas comment. Donc c'est frustrant de voir, malgré toute la hype qu'il y a autour du Barça, voir le Real qu'à trois points. Pour moi, 3 points c'est vraiment <laughs> bien payé limite pour eux. Mais bon, euh, si on doit euh, creuser cet écart, ça nous de le faire au Santiago Ce C'est pas que j'ai peur ou quoi que ce soit, c'est juste que ça me frustre en fait. Ça me frustre. J'aurais aimé que l'écart soit plus grand avant de les rencontrer parce que là, ils vont arriver avec une motivation supplémentaire. Ils vont se dire, malgré tout ce qu'on a vécu depuis le début de la saison, on est qu'à trois points deux. Donc, il y a un coup à faire. Donc, on va jouer à 2000%. Ils vont avoir peut-être une motivation supplémentaire. Mais j'espère qu'on va les prendre à leur propre jeu. Et on ne va pas se laisser déconcentrer par tout ce qu'il y a aux, aux alentours, tous les bruits là, dont on parle, dont je, je vous parle là depuis quelques minutes. Et on va se concentrer sur le match le jour J. Mais pour revenir au match, donc, face au FC Séville. Le Bayern, encore une fois, ça sera une opposition différente parce que le Bayern, c'est une équipe un peu similaire au Barça, qui joue très 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 haut. Mais vous savez quoi Je m'éloigne beaucoup trop du sujet. Là, on va se recentrer sur l'FC Séville. On va en parler du Bayern du Real quand ça sera le temps. Là, parlons de ce qu'on a vu ce soir. En fait, les amis, le Barça gagne ce soir 7-1, 8-1. C'est pas volé, c'est pas un scandale. Expecté goal, je pense de 4. mais le Barça rate cinq grosses occasions en fait. Cinq grosses occasions. C'est-à-dire que là, les Vandoski sont face à face, a-t-il la tête directement sur le gardien. Il y a de grosses occasions, en fait. Il y a beaucoup de grosses occasions que le Barça met à côté. C'est pour ça que je me dis que, même si le Barça a l'air intéressant, mais pas à l'air est intéressant depuis le début de la saison, malgré tout, c'est fou à dire. Hein. Mais je pense qu'il y a encore une marge de progression dans cette équipe-là. Donc moi, tout ce que j'espère, c'est que tout le momentum que tu as réussi à créer depuis le début de la saison, les gars, s'il vous plaît, ne me lâchez pas cette semaine. Cette semaine-là, ne me lâchez pas. J'ai pas envie que tout s'effondre. Après, même en cas de mauvais résultat, il faut pas non plus tout jeter à la poubelle. Mais voilà, ce qu'on voit depuis le début de la saison. C'est prometteur pour la suite. Je dis pas par là que le Barça est revenu. La confirmation se fera justement face au Gros. Ce sera tes plus gros tests depuis le début de la saison. Le Bayern et le Real Madrid. J'espère que ça va répondre. En fait, si tu réussis à ramener trois points sur ces deux matchs-là, ta saison elle est plus que lancée. Là, c'est un message que tu enverras à l'Europe. Déjà, si tu gagnes contre... Ah, J'ai dit que je m'éloigne du sujet. Là, je repars encore je repars encore sur le Bayern de le Concentrons-nous sur le fccv. Séville. Déjà, parlons vite fait de Pedri. La vérité, Pedri, je pense que la blessure d'Eric Garcia, c'était un peu un mal pour un bien. Un mal parce que voilà, Eric Garcia, ça reste un nouveau joueur qui est blessé dans ton effectif. Ce n'est pas, pas, pas bon, je veux dire, quand tu as des joueurs blessés. Mais la vérité, c'est que s'il avait joué, Pedri aurait joué beaucoup plus haut. Et moi, je préfère Pedri lorsqu'il joue beaucoup plus bas, à ce poste-là de numéro 8, dans le double pivot, on va dire. Euh, celui, en tout cas, qui a beaucoup plus de liberté pour euh, monter, pour organiser le jeu. Parce que là, on le voit depuis le début de la saison, lorsqu'il joue à ce poste-là, il est juste injouable. Injouable. Il contrôle le tempo comme jamais. Il organise le jeu, il distribue, il a AR, qui se retrouve en plus dans la surface de réparation pour tirer. On l'a vu, C'est n'est pas la première fois d'ailleurs qu'il marque un but à l'extérieur de la surface face au Séville, pour ceux qui s'en rappellent. À l'époque sous Xavi, je pense quand Xavi venait juste d'arriver, il marque aussi un but de fou à l'extérieur de la surface face au FC Séville. Il a une bonne frappe de balle, Pedri. Donc pourquoi il n'utilise pas assez, plus souvent Je veux dire, c'est frustrant. Je pense que cette saison, la consigne est claire. On a vu hein, la réaction de, de Hansi Flick sur le, sur le but de Pedri. Je pense qu'on l'a rarement vu aussi émotif, enfin émotif, montrer en tout cas sa passion sur les buts du Barça. Ça se voit qu'il kiffe Pedri, la vérité. Donc, ça me fait plaisir de voir Pedri staté. Il en est déjà à 3 buts cette saison. Je sais plus s'il n'a pas marqué un total de 4 buts, je pense, la saison dernière, ou 5. Dites-le moi en commentaire. Mais j'aimerais que Pedri fasse un 10 buts cette saison. Comme Rafinha, Rafinha qui n'arrête pas encore. Après sa passe décisive, c'était un tir, on va dire. Mais le nombre d'occasions qu'il crée, Rafinha, c'est n'importe quoi. Il défend comme jamais, tu le vois derrière aller jusque limite dans sa surface pour poursuivre des attaquants et puis devant se proposer de nouveau, faire des passes. Il crée beaucoup trop d'occasions, Raffinia. Franchement, Raffinia, je ne pensais pas sincèrement que raffin était capable d'atteindre ce niveau-là parce que la saison dernière, certes, il a, il a fait de bons matchs, surtout sur la deuxième partie de saison, mais le niveau auquel il joue là, je ne pensais pas à Raffinia capable d'atteindre ce niveau. J'ai l'impression qu'il a passé encore un step dans sa carrière. Là, le Raffinia qu'on voit, c'est plus le Rafinha de la saison dernière, hein, malgré ses bonnes prestations de la fin de saison dernière. Là, c'est un Raffinia qui a un niveau totalement différent. Au bout d'un moment, il offre un caviar à Fati qui la met à côté. D'ailleurs, Fati, parlons en vite fait parce qu'il m'a fait de la peine ce soir. Il m'a fait de la peine parce que, vous savez, j'ai pas envie, moi, malgré les critiques, j'ai pas envie de l'enterrer tout de suite. J'ai envie encore d'attendre. Franchement, la saison elle est très longue, mais ce qu'on a vu ce soir, c'est, c'est, je dirais pas inquiétant, mais c'est décevant de fou la vérité. L'occasion, lorsqu'il a la frappe dans la surface, il la cadre même pas, il la reprend mal, ou la tête euh, lorsque Pedri le trouve sur un caviar en deuxième période. Ansu Fati d'avant sa blessure, on sait tous que ces deux actions-là finissent au fond. Alors attention, moi, j'attends je, 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 pas de Ansu Fati qui retrouve son niveau d'avance à blessure. Je pense que faut oublier, physiquement, ça se voit qu'il n'y est plus. Mais au moins s'il peut avoir une finition décente. Ce qu'on voit aux entraînements, j'espère que ce n'est pas de la poudre aux yeux, parce que ce qu'on voit sur le terrain versus ce qu'on voit dans les vidéos d'entraînement, il y a un gap quand même. Il hein. y a un gap. Antiflick dit qu'il a confiance en lui. Donc j'ai fait confiance à Antiflick, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas fameux. Il revient de blessure encore une fois. Je ne vais pas l'enterrer à titre personnel. Mais voilà. C'est un peu inquiétant. Maintenant, parlons vite fait de Robert Lewandowski, les amis, qui en est maintenant à 12 buts, je pense, en 10 matchs de championnat. Lewandowski. C'est très simple. Là, il est en train de compétir avec du Erling Haaland, du Harry Kane, dans la course au souliers d'or, à 36 piges. À 36 piges. Je sais pas, en fait. Réalisons un peu la chose. Là, on parle pas à règle générale. Des mecs de son âge sont en Arabie Saoudite. Ça y est, le football de très très haut niveau. Ils ne sont plus au top, je veux dire, de leur forme. Mais lui, même physiquement, lorsque tu le vois, tu n'as pas l'impression qu'il a 36, qu'il va peut-être se diriger dans, vers ses 37 ans l'année prochaine. Je sais pas, c'est fou. Il est là, des buts de raccro à la Inzaghi, des tapines. C'est ce qu'on demande à Lewandowski. 12 buts en 10 matchs de championnat. Maintenant, on l'attend dans les plus gros matchs, face au Bayern, face au Real Madrid. On ne peut pas mettre de côté ce qu'il fait depuis le début de la saison en disant que voilà s'il se rate face aux deux gros, ça y est, on efface tout. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que pour gagner des matchs, pour gagner je veux dire des titres et des championnats, tu dois marquer face aux plus petits. Et c'est ce qu'il est en train de faire, Lewandowski. Franchement, depuis le début de la saison, il est irréprochable. Lamin Yamal. Oh là 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 là. mine la mine S'il met l'externe, là. S'il met l'extérieur, je suis dégoûté que le gardien l'ait sorti, mais s'il met l'extérieur en pleine lucarne, c'est le but de l'année. Prix pouce casse pour moi. Direct, il n'y a même pas d'attendre jusqu'à la fin de la saison. L'inspiration de fou furieux, même pas d'élan. Extérieur du pied. Mais c'est qui ce gamin en fait? Là, je l'ai trouvé un peu plus en jambes que lors de ces deux derniers matchs avec le Barça. Je l'ai trouvé, même si pour moi, il n'a enco pas encore retrouvé son, son plein potentiel, son, je veux dire son plein niveau lorsqu'il est vraiment à son niveau, ce qu'il nous a montré en début de saison. Je pense qu'il est capable de le refaire. Donc, j'espère que là, il va recontinuer, je veux dire, à monter en puissance face au Bayern et contre le Real Madrid. Parce que si Lamine Yamal réussit à créer des différences, s'il a des inspirations de fou comme ce soir à des moments clés, ça peut faire très mal face au Bayern Munich. Très, très mal. On n'a même pas vu Daniel Mo. Vous imaginez Fermin Lopez, j'ai aimé sa rentrée. Beaucoup d'énergie, beaucoup de fougue. Waouh En fait, lorsque tu regardes cette équipe-là, 3-0 en première période, tu regardes le banc de touche. Gavi, Fermin Lopez, Daniel Mo, frankie de Jong. Même Pablo Toré La vérité, je vous ai dit, Pablo Torre. Il faut pas s'endormir sur lui, hein, Pablo Torre. Deux buts, enfin. Après, c'est des buts, on va dire, avec un peu de réussite. Mais il faut, faut la créer, cette réussite-là. Le but qui marque à Villarreal, elle, il, vient, il vient pas tout seul. Il, prend, il a l'audace de tirer. Le ballon, il est dévié. Ce soir, il a l'audace de tirer. Le ballon, il est dévié. Une fois de plus. Les coups de pied arrêtés, il les tire extrêmement bien, directement au fond. Donc, franchement, Pablo Torre, il aura son importance cette saison. Il pourra faire souffler des joueurs. Lorsque tout le monde sera là, peut-être qu'il aura moins de minutes. Mais ça me fait plaisir de voir euh, Anne Flick pardon, lui donner euh, des minutes euh, régulièrement, malgré le fait que ben, les, les joueurs y reviennent. Euh, donc, voilà. Koubarsi, qui continue, en fait, euh, à faire des matchs de port. Koubarsi, en fait, je pense qu'on commence à normaliser le fait qu'il ait 17 piges et qu'il fasse ça. Faudrait pas qu'on fasse ça, nous. On peut pas normaliser ça. Ça lui arrivera, hein, je pense, de rater, de passer à côté de certains matchs. Ça serait anormal qu'il passe toute une saison sans passer à côté de certains matchs. En fait, lorsque tu as attaquant, hein, tu peux. On voit la mini Il peut passer à côté de certains matchs. Ce n'est pas, pas catastrophique. Ce n'est pas la fin du monde. Mais Coubarcy, lorsqu'il va passer à côté d'un match, ça va tout de suite se voir. Et j'ai pas envie que les gens commencent à lui tomber dessus, qu'il va passer à côté d'un match, parce que ça va arriver, en fait, les amis. Ce qu'il fait à 17 piges, c'est anormal. C'est anormal. Il faudra accepter que des gamins, un gamin comme lui, aura du déchet au bout d'un moment, en fait. Parce que c'est anormal ce qu'il fait déjà à son âge, dans la continuité, la sérénité qu'il dégage, ses qualités défensives, ses qualités de relance. Je pense que je n'ai jamais vu ça sur un défenseur de 17 piges, en fait. j'ai jamais vu ça. Je commence à m'habituer à ça. Pour moi, c'est normal de voir Roubassi titulaire au Barça 17 piges en défense. Vous savez, un attaquant, encore une fois, j'ai dit comme pour Mal, tu peux te dire OK, un attaquant, il a du talent, il est précoce et tout, mais un défenseur. C'est un poste très difficile, un hein, défenseur central. L'expérience, ça doit jouer énormément. Encore, on le voit sur des, er sur des erreurs de concentration parfois, il peut se trouver. Mais ce que je dis, moi, c'est des, des erreurs en fait que je suis prêt à accepter pour voir le talent de Koubarsi. Une fois qu'il aura 20 ans, 21 ans, peut-être que ça sera, si ce n'est le meilleur défenseur du monde. S'il continue à progresser comme ça, les gars, ça fait peur. Inigo Martinez qui forme la paire avec lui. Franchement, le jeu offensif du Barça repose aussi beaucoup sur eux, hein. Koubarsi et Inigo Martinez. On pense que c'est uniquement la défense, mais avec le ballon, ils sont très très importants. En tout cas, voilà, j'ai vu un Barça serein, j'ai vu un Barça qui n'a pas forcé. Encore une fois, à la fin du match, je ne me dis pas que le Barça a fini avec le capot, je veux dire, qui, qui chauffe avec de la, la fumée. Non, j'ai vu un Barça en maîtrise totale, sans transpirer qui a ouvert en deux cette équipe du FC Séville. En fait, on commence à s'habituer à ça. <laughs> Flick est un train de nous habituer avec quelque chose de mauvais. Ça fait la troisième fois que je le dis dans les débriefs, les amis. Tonton Flic, j'espère que ça, là, ça c'est pas éphémère. Franchement, parce que là, on va tomber de haut. On, là, je ne sais plus, c'est quand la dernière fois qu'on a vu une série de matchs où le Barça enchaîne de gros scores avec une telle facilité, en fait. la limite, tu te dis que face à des adversaires intermédiaires, des adversaires abordables... On verra face au gros maintenant, face au bar et mais en tout cas aux intermédiaires et plus bas de tableau, tu sais que ça se termine en boucherie. Cette sensation-là, ça me fait plaisir de la revoir en tant que fan du Barça. D'ailleurs, ce soir, j'étais invité à un barbecue, les amis. Il y a peut-être deux ans, trois ans, voire un an. J'aurais eu un peu la honte de venir avec un maillot du Barça, vous savez, entre potes comme ça. Parce que vous connaissez les gars, ils vont commencer à se moquer de toi, le Barça, vous êtes tombé, etc. Mais ce soir, aujourd'hui les amis, je suis allé là avec un maillot du Barça, fier de moi. Fallait me voir, j'étais fier, j'avais confiance en moi. Et ils étaient là, ils me regardaient du coin de l'œil, ils disaient, ouais, vous allez perdre ce soir. Vous savez, ils essayent de, de troll hein, en même temps, vous allez perdre ce soir, etc., vous allez perdre. Tu sens qu'ils essaient de se rassurer, en fait. Mais voilà, le Barça nous a habitués encore une fois à ça, à voir des adversaires piétiner au bout de la 30e, 40e minute de jeu. J'espère qu'ils ne vont pas me laisser tomber ce, cette semaine, parce, parce que franchement, là, là c'est peut-être une semaine tournante de la saison du Barça. Pas une, ça ne va évidemment pas être définitif pour quoi que ce soit, parce qu'en cas de victoire ou défaite, il y aura une très longue saison derrière. Mais si tu gagnes ces deux matchs-là, c'est un message que tu envoies à l'Europe, pour moi. Donc j'espère qu'on va gagner. Et j'ai hâte de vous retrouver, les amis. Je ne pense pas qu'il y aura de vidéo 5 enseignements demain. Parce que, hé hey, les amis, accordez-moi cette journée. Ça fait deux fois que je refais le même débrief. Même si là, j'ai dû changer beaucoup de choses. Encore une fois, c'est un mode freestyle. <laughs> Mais voilà, euh, j'allais oublier en plus Cassado. J'allais terminer la vidéo sans parler de Cassado. Cassado doit pas bouger. Hein. Cassado, ça ne doit pas bouger. Peu importe l'état de forme de Frank de Jong pour l'instant, dans les deux prochains matchs, voire dans les trois, quatre prochains matchs, Cassado ne doit pas bouger pour moi. Donc voilà, les amis, on termine sur ça. Je ne pense pas qu'il y aura de vidéo 5 ans parce que là, ça m'a fatigué de faire deux fois comme ça un débrief. Je sais même pas, peut-être que je sortirai finalement cette nuit ou demain matin. On vous le verrait. <laughs> voilà. Euh, Laissez-moi profiter moi aussi de ma soirée un peu. Là, là, j'ai envie de me reposer, de voir, de revoir le match, de kiffer. Donc voilà. Permettez-moi un jour de repos, franchement, pour les cinq enseignements. Peut-être qu'on reviendra euh, derrière en espérant que contre le Bayern, il y a victoire pour qu'on fasse les cinq enseignements. Mais là, j'ai juste envie de kiffer aussi. Donc voilà, les amis. Dites-moi vous qu'est-ce que vous en avez pensé. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, Prenez tous soin de vous et à très vite.